Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est au troisième du nom, c'est un cru qui sera très différent des autres. Exactement, on essaye en fait chaque année d'évoluer un petit peu, de ne pas reproduire le même scénario pour continuer à surprendre le public polynésien et aussi international parce qu'on est très suivi à travers les réseaux sociaux, la presse internationale. Et on fait revenir quand même des pointures qui ont beaucoup plu aux Polynésiens, notamment Seth qui a réalisé ce visuel devenu presque emblématique maintenant de la Vahine endormie qui est devenu le premier timbre street art grâce au partenariat avec l'OPT et la Poste polynésienne. Donc, Seth revient, je suis ravie de pouvoir l'annoncer. Mais on a aussi de nouveaux artistes qui viennent d'un peu partout à travers le monde. On a par exemple l'Australien Adnate, qui est reconnu comme l'un des meilleurs portraitistes au monde, qui réalise des portraits plus vrais que nature. On a l'impression que ce sont des photos qui sont projetées sur des murs. On fait venir aussi le Portugais, par exemple, Bordalo, qui a une spécificité, c'est de recycler des déchets, des détritus qu'il va trouver dans la ville de Papeete pour les transformer en œuvre d'art et créer des sculptures urbaines. Donc on a beaucoup de nouveautés. Ouais. Le Je premier crois qu'il y a trompe-l'œil de du Polynésie 3D, qui oui. va... Oui, il y a du 3D avec cette particularité de faire venir le pionnier, l'italien Pita, pionnier du graffiti en 3D, qui donne la sensation, selon la position où l'on se situe devant un mur, que les fresques, que le visuel évolue. Et surtout une grande première, un trompe-l'œil au sol, le premier de Polynésie à la gare maritime. Donc ça devrait être voilà, assez spectaculaire comme édition. En tout cas, on espère que voilà, tout le monde sera au rendez-vous pour la suivre. Alors, il y a aussi une innovation, c'est la création d'un espace indoor. Ça, vous pouvez nous en parler ou c'est encore un petit peu Oui, un petit peu. mystérieux? Alors, en fait, dans le cadre du festival, il y a plusieurs nouveautés. La première d'entre elles, au-delà des artistes nouveaux qu'on fait venir, c'est que pour la première fois, le festival se déplacera à Raiatea. On a reçu un superbe accueil de la mairie d'Outoroa, que je remercie encore. Et les partenariats avec Air Tahiti Nui et Air Tahiti cette année ont permis de déplacer un groupe d'une dizaine d'artistes Et c'est à une idée qui vous Raiatea. touche particulièrement parce que vous êtes de là-bas, je crois. Exactement, ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis Raiatea, c'est une île très symbolique aussi pour les Polynésiens. On fait venir Askew, qui est un Néo-Zélandais, qui est aussi très impacté par cette culture du Pacifique, d'où sont partis les premiers navigateurs. Donc je pense que c'est une île qui sera très enrichissante aussi pour que les artistes puissent s'imprégner de la culture polynésienne autrement qu'à travers Tahiti et Moorea. Et comme vous le mentionnez, en plus des fresques qui vont être créées dans le centre-ville, on va continuer à embellir les murs de la ville. On aura cette spécificité de faire des performances indoor dans un espace qui aura vocation à être périn, qu'on va essayer d'ouvrir le plus longtemps possible et qui permettra de créer une passerelle entre la Polynésie et les grandes villes mondiales, Paris, Los Angeles, on pourrait être interconnectés avec eux à travers ce lieu d'exposition d'art urbain contemporain qui sera permanent et qui sera une nouvelle adresse que vous pourrez découvrir au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu comment dire, vous représentez un petit peu la Polynésie à l'international avec toutes C'est ce ces qu'on îles essaye de faire vous à donnez plus travers. de visibilité à la Polynésie. Ça, c'est ce qu'on a pu constater, effectivement. C'est un travail qu'on mène toute l'année à travers les expositions qu'on a créées cette année à Paris au début de l'année, et puis le timbre qu'on a présenté à New York avec l'OPT, et la dernière exposition qu'on a au Sofitel de Beverly Hills, qui va se terminer mi-septembre. Donc, on essaye de faire cette promotion originale, moderne, contemporaine de nos îles, et de pouvoir intégrer Raiatea dans les expositions qu'on va créer au fil de l'année. Ce sera aussi une nouveauté supplémentaire. Et la Polynésie le mérite bien. Rendez-vous est pris pour le 2 octobre. C'est ça, du 2 au 8, du 2 au 8 octobre à Papeete et du 9 au 12 On voit octobre l'affiche. à Hautoroy. Sarah Opinia, merci et Merci beaucoup merci à vous. d'embellir les murs de cette ville. Merci Caroline.